formation des jeunes à travers les CFA nous apporte des nouveautés, des nouvelles choses. Nous, ça nous permet de rester en contact avec le milieu de l'apprentissage. Au CFA, on nous a tout de suite mis les outils en main, expliqué comment ça allait se passer et pouvoir justement prouver nos capacités à créer quelque chose. Le CFA, ils vont travailler sur des maquettes, mais ils vont leur apprendre plus la finesse et nous, on va plus apprendre la rapidité. L'entreprise, elle est vraiment là pour nous apprendre la vie de chantier et réussir à mettre en pratique tout ce qu'on peut apprendre. Mais c'est un complément indispensable entre l'entreprise et le CFA. Éric Dupasquier, formateur en plâtrerie et peinture. Donc là, on est en train de réaliser une cloison courbe à l'aide de briques et après, on va plâtrer l'ouvrage. J'ai aucun problème pour faire ce métier parce que je suis motivée et que c'est une passion. Et j'aime beaucoup les métiers physiques. J'ai adopté un mental et une attitude d'homme pour pouvoir survivre dans ce métier. Un apprenti est un salarié comme un autre. On lui explique bien qu'il est là pour apprendre des métiers, mais à la fois pour faire vivre l'entreprise et gagner son salaire comme tout salarié à travers une entreprise. C'est quelque chose de très bien parce que d'une, on rentre dans la vie active, on apprend à se lever tôt, à avoir des relations avec des professionnels et on mûrit, on sait faire des choses de ses mains. C'est magnifique.